Bonjour, jeune Serpentard. Scrope sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrope peut vous aider. Et vous? Vous pouvez aider Scrope. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. Scrope? Qui est Scrope? Rébellion. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Les vieux sauts. Des citrouilles. Je crois que je sais où aller. Au bord de l'eau. J'espère que ce n'est pas une farce.
Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Que se passe-t-il ? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Je ne sais pas trop. Je ne tiens pas à ce que le directeur m'en veuille. Oh, le directeur ne sera pas fâché. Scrop veut lui faire une surprise. Scrop va vous expliquer. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrop, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolée, mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages ? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrop a su que vous cherchiez ces pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Attends, comment sais-tu pour le livre et qu'il manque des pages ? Scrop et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrop entend et voit bien des choses dans le château. Scrop sait garder un secret. Dis-moi plus au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrop le lui rapportait. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille ? Les Blacks ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles. Un jour, Scrop a agacé cette chère Apollonia et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrop a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Scrop vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages et la bague. Thank you.
pourquoi aurais-je besoin de pain grillé? J'imagine qu'il faut le placer là. Une carte. Elle ne semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Possible? Une visiteuse? Je suis Richard Chouka. J'étais élève ici, comme vous, il y a un siècle. Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu? C'est un elfe prénommé Scrope qui m'envoie. Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici. Ah! Je vous demande pardon, mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrope. Il doit encore pleurer à Polonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais en vain, hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité, mais elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre? C'était assez gênant. J'aimerais récupérer ces pages, si ça ne vous fait rien. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de grotte enchantée. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages? Je crois savoir comment vous êtes mort, mais qui vous a fait ça? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer? Oh, c'était l'idée d'Apollonia. Les calmars adorent le pain grillé. On ne vous a pas appris ça, à Poudlard? Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvés dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Il les a lâchés après un assaut particulièrement violent dans la bibliothèque. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de... de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous.
Bonjour, Scrope. Grâce à toi, j'ai pu entrer dans le caveau d'Apollonia. Le pain grillé était la clé. J'y ai rencontré un fantôme, Richard Shuka, qui a accepté de me mener jusqu'au page que je cherchais. Oh, ce garçon n'était pas assez bien pour Apollonia. Mais qu'en est-il de l'anneau des Blacks ? Shuka l'a hélas vendu, il y a bien longtemps. C'est malheureux, en effet. Scrope va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur. Ah, Scrope tirera une certaine consolation du fait que la jeune Serpentard a trouvé ce qu'elle cherchait. Merci encore, Scrope. Tu fais honneur aux elfes de maison. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable.
travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Expelliarmus ! Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Vous revoilà, Richard Chouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un serpentard serait assez rusé pour retrouver ses pages. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant ? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseaux. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école.
À part le bain d'oiseaux, y a-t-il d'autres choses auxquelles je dois faire attention? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ses souvenirs me reviennent. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseaux. Adieu. Ou au revoir. Je vous le souhaite. Je n'ai plus le choix, je dois continuer. Voilà la cascade. Chouka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Ça correspond à la description faite par Richard Chouka. Intramuros. Tu serais pas un peu loin de chez toi, hein? Ranrock savait que vous finiriez par nous mener à votre cachette. Ce n'était que la chance. Tu fanfaronnes un peu trop. Ses fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock maintenant. Voyons un peu ce que Chouka voulait me montrer. Je me demande si c'est grand. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Je me demande si mes sorts pourraient m'aider à passer. Yeah.
Sergio. Levioso. Incendio. Protego. Incendio. Question de toucher à ça. Je me demande si je peux déplacer cette plateforme. Incendio.
pas de squelette sans tête en vue. Mais rien de... cette grotte soigneusement. Révélio. Sûrement caché dans les parages. Réveillons. Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi, mais où est-il ? Heureusement que Richard Shuka n'est pas tombé là-dedans. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin,
mais je ne vois aucune trace de lui. Action ! Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Je me réjouis que Richard Chouka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi, mais où est-il ? Richard Chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Chouka se serait intéressé à ce point, mais je ne vois aucune trace de lui. Action !
Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais où est-il ? Revelio. Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Voilà le pont. Il est presque terminé. Encore des araignées ? Elles ne peuvent pourtant pas avoir décapité Richard Shuka. Voilà le pont. Il est presque terminé. Encore des araignées ? Elles ne peuvent pourtant pas avoir décapité Richard Shuka. J'imagine que ces araignées se sont multipliées depuis le passage de Richard Shuka.
Rébellion. Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Je vais devoir trouver le symbole. Plus être très loin du corps de Richard Shuka et de ses pages. On se retrouve, Richard Shuka. Merci d'avoir protégé ses pages durant toutes ces années. La voilà, la carte qui a mené Shuka à sa perte. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce ?
Evelio. Oh, c'est très bizarre. Que se passe-t-il? J'ai déjà vu ça à Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque.